Et le bulldo-sauteur. Waouh, ils ont refait le musée et on dirait vraiment qu'il est tout neuf. Ça faisait tellement longtemps qu'il était fermé, j'ai hâte de voir ce qui a changé. Hé, il y a une expo scientifique. Ils doivent avoir plein de super trucs là-dedans, comme des boutons, des interrupteurs et des manettes. Allons-y. Waouh, il n'y a personne. On est les premiers à voir l'expo. Wow. Ah. Wow. Yeah. Ce sera pas long, je vais y arriver du premier coup. Oh. C'est vrai, c'était pas long, à mon tour. Attends, je me suis trompée, je recommence. Oh. Bon, allez, tu devrais laisser quelqu'un d'autre essayer. Peut-être que Greg y arriverait mieux que toi. Quoi? Pas question, regardez ça. Je l'ai fait exprès. J'ai remis à zéro pour le tour de Greg. C'est à toi, Greg. Wow, un propulseur. Cool. Hein? Attendez, c'est pas normal que le mur soit fissuré. Ça fait des mois qu'il répare tout dans le musée. Peut-être que quelqu'un essaye de le cambrioler. Mais qui voudrait cambrioler la salle des sciences d'un musée? Roméo! On devrait peut-être régler ça ce soir. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Greg devient... Lili! Sacha devient... Aller vite avec le bulldo-sauteur.
dégoûtée comme un chat gluglu. Donc je m'en sortirai mieux que toi. Quoi? Mais tu viens de me voir assurée. C'est parti. Yo-yo, à la rescousse. Yo-yo, il faut que j'arrive à me décoincer de là. Non, je sais que Gluglu s'en sert mieux que moi. Et comme c'est l'heure d'être un vrai héros, je lui laisse ma place. Cool, caméléon! Saute, Yo-Yo! On va y aller ensemble! C'est parti! Et maintenant, il faut que je trouve la bonne cheminée à empester. Hé, Roméo! Quoi? Ces cuisses de grenouille qui testent mon bulldozer? J'en rigole d'avance. Ah oui? Regarde un peu ce que Gluglu sait faire! Ça marche! Où est-ce que vous êtes? Maintenant, c'est à moi de jouer! Rendez-le-moi! Bon, d'accord, mais... Va le chercher toi-même! Vas-y, Yo-Yo! Hé, mais lâche-moi! Arrêtez ça, les super zéros! À ton tour, Bibou! Joli saut!
Gluglu, t'es le meilleur, tête de chat. C'est pas juste, j'ai pas envie de marcher quand je serai le maître du monde. Alors tu devrais peut-être essayer de sauter. Par contre, fais attention, c'est pas facile quand on n'est pas un lézard super doué. N'importe quoi, les pigeons machins. C'est mon bulle de sauteur. Alors j'y arriverai de toute façon. Bon allez, il faut reboucher ce trou avant que le jour se lève. On va t'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est gentil, mais c'est de ma faute si le mur est cassé. Alors je vais le réparer tout seul. Yo-yo, rapido! Les pyjamasques, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Oh, t'y étais presque! Réessaye! Non, c'est au tour de Greg. Oh, d'accord, merci. Oups. Bibou et l'attaque éclair. Ça va être trop bien d'aller au coin lecture aujourd'hui. Quel livre tu vas choisir, Amaya? Amaya! Hein? Oh, j'ai le nouveau livre de Zoé Zapp. Ah mais oui, c'est vrai que c'est ton personnage préféré, Amaya. Une super-héroïne et une ceinture noire de karaté. Évidemment, c'est le meilleur super-héros de tous les temps. J'aimerais tellement avoir ses pouvoirs. Pourquoi est-ce que tu l'aimes tant que ça? Elle ne sait pas voler. Je connais une super-héroïne avec des super-pouvoirs qui est encore plus forte. Hey, mais qu'est-ce qui est arrivé à nos livres? Regardez. C'est qui celui-là? Et où sont passées nos histoires? Maintenant, on n'a plus rien à lire. Je n'aime pas. Toutes les histoires ont disparu. Il n'y a que des photos de Roméo. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais on va l'arrêter. Et j'utiliserai la frappe éclair de Zoé Zapp. Zoé Zapp, attaque éclair! Oups. Tu pourrais peut-être te servir de tes super pouvoirs à toi. C'est bon, je finirai bien par y arriver. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Greg devient... Gluglu! Sacha devient... Yo-yo! Amaya devient... Les pyjamas. Bon, il faut qu'on trouve Roméo. Cool, caméléon. Prenons l'astro hibou. On pourra le repérer depuis le ciel. D'accord, Bibou? Bibou? Je crois que Bibou est trop occupé pour piloter Gluglu. Prenons le chat bolide à la place. Bibou? Oh, attention à toi, Roméo. Zoé Zapp va débarquer. Tu trouves que tu es belle, petite licorne, n'est-ce pas? Eh bien, je connais quelqu'un qui est encore plus beau. Bientôt, il y aura des photos de moi partout, en commençant par tous ces livres. Vous êtes le plus beau maître. Le monde entier sera ravi de vous obéir. Oui, et de toute façon, ils n'auront pas le choix. Allons chercher d'autres livres. Où est Roméo? Sers-toi de ta vision pour le trouver, Bibou. Pas besoin, Gluglu. Je peux utiliser un des pouvoirs de Zoé Zapp à la place. Localisation par la pensée. Localisation par la pensée? Oui, Zoé Zapp prouve n'importe qui rien qu'en se concentrant très fort. Mais ça marche que dans les bouquins, non? Hein? Mes oreilles de chat captent quelque chose. C'est le rire de Roméo. Tu es aussi génial que moi, mon robot. Les pyjamasques. Serpent rampant, Roméo. Pourquoi est-ce que tu as abîmé nos livres? On les aime, nos histoires. Eh ben, moi, je n'aime pas ça. Je préfère plutôt regarder des photos de moi. Hein?
Mais tu devrais essayer de lire un truc, comme mon livre de Zoé Zapp. Pas question! Débarrasse-toi de ces idiots robots! Roméo a déjà pris tous les livres! Je vais les récupérer avec l'attaque éclair! L'attaque éclair vient de finir par terre. Pourquoi tu ne veux plus utiliser tes super-pouvoirs à toi? C'est pas que je ne veux plus, mais avec une frappe éclair, Roméo sera vraiment surpris. Enfin, quand j'arriverai à la faire. Comme tu veux. Maintenant, il faut essayer de savoir où Roméo va aller. Où est-ce qu'on trouve des livres? À la bibliothèque municipale. Mille reptiles! Il y a des livres rares là-bas, uniques au monde. Il faut absolument l'arrêter. Bibou, dépêche-toi ou Roméo va aussi voler tous les numéros de Zoé Zapp de la bibliothèque. Beau travail, mon ami mécanique. Bientôt, tous les livres de la ville parleront de moi. Tu es l'une des plus grandes inventions de tous les temps. Merci, maître. J'aime Roméo. Roméo est un génie. Prochain arrêt, la bibliothèque. Parfait, la porte est toujours fermée. Roméo n'est pas arrivé. Gluglu, tu grimpes là-haut. Quand je lui aurai attrapé les pieds, tu sautes sur le robot et tu le fais tomber par terre. C'est d'accord, Yo-Yo. Gluglu, main collante. Gluglu reptile au camouflage. Bibou, utilise ta hibou vision pour nous prévenir quand ils arrivent. Sois sur le coup. Ne t'inquiète pas, Yo-Yo, je m'en occupe. Bibou, aile de la nuit. D'accord, j'attendrai ton signal. Zoé Zapp ouvre l'œil et scrute la ville. Pas moyen que ce méchant lui échappe, ça c'est sûr. Et il ne fera pas le poids face à sa frappe éclair. Attaque éclair. J'ai enfin réussi. Oh non, je ne l'avais pas vu. Et dire que je devais prévenir les autres. Robot, robot. Robot. Par mes écailles. Allez, Gluglu. C'est pas une boîte de conserve qui va me faire peur. Gluglu, Yo-Yo, rapido. Le petit chat dans son élan. Haha, maintenant ligote-les. Ne vous inquiétez pas, ma frappe éclair va vous sauver. Mais ce n'est même pas un vrai truc de super-héros. C'est juste dans ta BD. Zoé Zapp, attaque éclair. Alors, petit scarabée, tu ferais mieux d'arrêter le karaté et de te recycler. Robot. Non, lâche-moi. Bibou, est-ce que ça va? Oui, mais je suis désolée. Pourquoi je veux ressembler à Zoé Zapp? Je suis Bibou. Maintenant, Roméo va récupérer les plus beaux livres de la ville. Ah, je les ai déjà. Et bientôt, ils seront remplis de photos de moi. Vite, rattrape-les. On te rejoint avec le chat bolide. D'accord. Et cette fois, je vais utiliser mes pouvoirs de hibou. C'est l'heure d'être un vrai héros. Pourquoi elle garde son livre de Zoé Zapp avec elle? Hibou Vision. Alors, je vais leur voler dans les plumes quand je les aurai trouvées. Là! Chabolide, cache-toi! Pile quand j'ai besoin de vous. Tiens, mettez-vous derrière ces deux arbres et tendez-la bien, au ras du sol. Si on veut arrêter Roméo, on doit d'abord arrêter son robot. Et maintenant, Bibou? Maintenant, l'extraordinaire Bibou va utiliser ses propres super pouvoirs. D'abord, Bibou aile de la nuit. Puis, Hibou vision. Youhou! Regarde, Roméo, tu n'as toujours pas attrapé mon livre préféré. Quoi? Attrape-le, robot. Tu croyais que ça allait être aussi facile? Donne-moi le livre. Arrête. Viens le chercher. Arrête de bouger.
reste immobile une petite seconde. Vas-y, robot, attrape-la. C'est toi, le chat. Non, robot, attends, stop. Finalement, ton livre de Zoé Zapp aura servi à quelque chose. Debout, t'as fait mal. Aïe. Merci, maître. Je me sens beaucoup mieux. Quoi? Mais c'est pas Bibou, ton maître. C'est moi. Bibou est un génie. Par mes oreilles de chat. On dirait qu'en tombant, ton robot est tombé sous le charme de Bibou. Ouais. Bravo, robot. Maintenant, attrape ce méchant et suis-nous. Laisse-moi descendre. Remettons ces livres en état. Cool, Caméléon, c'est mon livre préféré. C'est vrai que Zoé Zapp, ça n'a pas l'air si mal que ça, finalement. Roméo, oh, tu aimes les histoires? Quoi? Oh, oh, Zoé Zapp, attaque, éclair. Ouille. Vous avez réussi à me battre cette fois-ci, les pyjamas, mais je reviendrai. Roméo, il est en train de s'enfuir. Je m'en charge, les pyjamas. Quoi? Vas-y, robot. Et nous, on continue de remettre ces livres comme il faut. Comme ça, tout le monde pourra relire ses histoires préférées. Pyjamas, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Hurrah, nos livres sont revenus. On va pouvoir lire des histoires. Regarde, c'est un livre de Zoé Zapp. Tu n'as pas envie de le prendre, Amaya? Non, je choisis celui-ci aujourd'hui. C'est un livre sur les hiboux.